الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيش عن الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous, Inch'Allah, nous parlons concernant un événement qui est arrivé durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cet événement-là pour montrer nous comment il est important pour qu'il nous adhérons à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith qui nous vous mentionnez là, il trouve dans Sahih al-Bukhari. An Anas bin Malik radiyallahu an, yakoul, Anas ibn Malik, le sahabi, qui nous rapporte beaucoup de hadiths, depuis jeune, les tirés en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il dit, « J'a'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. » Trois personnes, trois sahabis. Au final, côte ban madame du prophète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a plusieurs madames, et il y a plusieurs appartements. Alors ces trois sahabis-là, je n'ai côte ban madame du prophète au pluriel, Bouyout, dans le ban l'appartement, il a posé question. Sans nous trouver un principe du ban sahaba, je suis content, connaît concernant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sur la case, comment il passe sur les temps. Parce que ban sahaba, je suis connaît qui, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, est un modèle. Donc, je peux trouver le prophète devant eux dans masjid, le champ de bataille, dans le bazar, le chemin. Mais dans la case, prophète, je ne peux pas trouver. J'ai envie de connaître comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas se l'étendre dans la case. Là, une grande leçon nous apprendre. C'est qu'il y a un sahaba, ce qui comprend, quand je parle de la shahada, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, je comprends l'implication. Implication de sa shahada, deuxième partie, nous peut témoigner que Muhammad, c'est Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, veut dire, nous devons prendre comme un modèle. Laqad kana lakum fi Rasulillahi, Uswatun Hasana. C'est tellement dans le messager d'Allah, il est un modèle parfait pour Zot, Zot Bankena Iman. Alors, Ban Sahabala pose question. Yas'alouna an ibadatin Nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Zot pose question concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ibadat. Falama ukhbiru ka'annahum taqallouha. Quand Ban Sahaba Zuntan. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas soler sur la nuit? Alors je peux dire, ben nous, pour nous, nous devons faire plus. Nous, nous devons faire trop de guides. Et qui se dit, فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ sallallahu alayhi wa sallam قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. Nous, vis-à-vis du prophète, nous n'avons rien dit tout sallallahu alayhi wa sallam. Li Muhammad sallallahu alayhi wa sallam غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Ce ban péché avant et après, il finit par donner lui. Pour nous, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, un premier, li ma'asoum, li protéger contre péché. Si toutefois arrivé aussi, un sujet de divergence par les ban savants, est-ce qu'il y a un prophète qui est capable d'arriver faire un petit erreur? Si toutefois, il fait erreur aussi, Allah ta'ala ne finit par donner lui. Allah ta'ala ne finit par donner ce qui est avant et ce qui est après. Mais nous, qui nous étions nous? Alors, un parmi les ban, il y a trois du monde. Un là-dedans dit, qala haduhum, أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. Moi, je ne peux pas faire namaz, tahajjud, je ne peux pas passer la nuit dans l'ibadat tous les jours, la nuit dans l'ibadat en entier. وقال آخر أنا صوم الدهر. Moi, je ne peux pas garder roza tous les jours. ولا أفطر. Je ne peux pas me cacher roza tous les jours, roza tous les jours sans exception. وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. Moi, je ne peux pas me marier moi. Jamais vous pouvez vous marier. Vous pouvez éloigner une madame. Vous ne pouvez pas vous marier. Vous pouvez gagner le temps parce qu'il peut trouver que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut faire ça quand c'est ribadat là. Mais moi, si vous ne pouvez pas me marier, je veux dire, le temps pour finir avec madame, pas pour gagner le temps faire ribadat, vous pouvez faire plus que le Rasoul parce que le Rasoul, lui, ce péché ne finit pas pardonner. Si toutefois il a péché, il finit pas pardonner. Mais moi, je dis mon simple, vous pouvez faire beaucoup pour gagner pardon Allah. Alors, faja'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ilayhim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il connaît. Quand il rentre la case, ou madame, il dit à lui, voilà, un tel fait dire telle parole. Il connaît. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a rien de sa sahaba là. Il dit, Antumul ladina kultum kava wa kava. Je même qui fait dire telle parole. Le prophète dit, Ama wallahi inni la akhshakum.
منو موا من أبليس خشب الله وأتقاكم له من أبليس تقوب والله لكني أصوم وأفطر إن أزوم قاد روزة إن أزوم بقاد روزة وأصلي وأرقد لانويت مفي نماز إن مما مدومي وتزوج النساء إن مما يي أفك بان مدام لا لا ليجي سبحان الله إن نوب شيء تنسى نو سوفا كان نالكوت إمام في نكاح دخول بعد نكاح نتن بعد إمام ماشون سحديثة جد ماشون دي سادي أنا بطلة فمن رغب عن سنتي فليس مني celui qui détourne depuis ma sunna li éloigne ma sunna فليس مني li pas font partie depuis moi c'est celui qui quitte ma façon de faire li pas font partie de moi veut dire li pas font partie de ummat veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut réprimander sa bande sahaba là pour ce qu'ils ont fait dire veut dire pas faire d'après l'esprit hein je ne pensais je ne fais analogie là get bien get comment dans din est rentré nous servir une logique dans din dans din n'a pas servi logique surtout dans le domaine de ribadat la cosa Hazrat Ali radiyallahu anhu dit si din qui base le raisonnement quand pour faire massa le lipier tu faisais faire massa en bas hein de wazou hein quand tu fais wazou tu mets une chaussette ou bien khouf en cuir après une wazou une cassée c'est pas nécessaire tire une chaussette qui est pe il y a la divergence là aussi mais khouf là puis la divergence le sa chaussette en qui nous mettait en c'est ce qu'on appelle ça khouf en cuir alors quand nous faisons massa nous pas slamer en bas en bas les pieds là non le plat les pieds nous pas six là comme ça juste comme ça ni droite ni gauche un seul côté comme ça suffit Hazrat Ali Jassidin qui base le raisonnement tu ne faisais pas slamer en bas parce qu'en bas il y a la poussière non din pas base le raisonnement ban sahaba je peux penser quand je peux faire plus qu'il rassoul il fait Allah pour content sa quitteuse là non rassoul sallallahu alayhi wa sallam ce tariqa ce sunna meyir quantité qu'il fait abide pas ajouter pas retirer naturellement non pas faire comme Ali il fait si il fait tant rakat tant longueur rakat dans surah dans un rakat il fait surah Baqara peut-être nous pas faire lui mais pas al plus qu'il rassoul sallallahu alayhi wa sallam pas autre faire plus qu'il lit suivre ce modèle donc nous comprenons par là qui nous besoin attache nous la cosa les prophètes dire man raghiba an sunnati falaysa minni le moment qui nous quitte façon de faire de rasoul sallallahu alayhi wa sallam il amène beaucoup de problèmes il amène division dans nos communautés un parti vous dire mais ça libo un parti dire non pas bon ça parce qu'il pouvait pas venir faire mais si dès le départ nous tu adhère nous avec le prophète sur façon de faire parti pour la discussion quand c'est qu'il pouvait venir faire nous faire ça qu'il n'est pas fait nous pas faire correct tu peux correct parti mais aucun problème Nous quittons un petit guide maintenant. Comment les sahaba jusqu'à quel point ont-ils adhéré strictement au sunna de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Un hadith qui trouve dans Ibn Majah. Samura bin Jundub l'idia, le sahabi radiyallahu anhu l'idia, « Saktatan hafidhtuhuma min rasoul ou an rasoulillahi sallallahu alayhi wa sallam. » Mon apprenne, mon mémorise depuis le prophète, mon apprenne depuis le prophète des sakta. Sakta veut dire, c'est un moment où la namaz, dans ma namaz qui nous lit à haute voix, quand l'imam reste tranquille. Par exemple, namaz Eshala, l'imam dit Allahu Akbar, il n'est pas commencé sur la Fadiha, tout de suite, il reste posé un petit guide tranquille, veut dire, il peut lire Dua Istiftah. Après, il lit sur la Fadiha. Après, sur la Fadiha, il fait une petite pause. Après, il lit quelques versets ou bien une surah. Ça va une pause là, après ça, sakta. C'est ça, il a libéré mon apprendre, mon mémorise, mon connaît 10 actes depuis Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ibrahim bin Hussein, un autre sahabi, il n'est pas fin d'accord. Il finit dire non. Il n'est pas d'accord avec ça. Tu peux dire deux non. Et tu en as moins ou bien plus. Il n'est pas de manger la hadith là. Ibrahim bin Hussein, il n'est pas fin d'accord avec Samoura. Là, ça dit, là, Samoura avec Umrad, je viens disputer le premier place dans la marge, le prophète, fin reste tranquille. C'est moi quand nous avons plusieurs bonnes hadiths, nous trouvons qu'il y a généralement il y a trois places. Quand le prophète commence son namaz, il fait dua, après il est sur la fatiha, après sur la fatiha, il fait une pause. Après sa pause, il commence à lire ce surah, ou bien quelques versets, avant de faire recours, il fait une autre pause encore, avant de dire Allahu Akbar, puis il y a le recours. Donc, en tout mentionné trois. Ici, je viens de disputer le nom, là, on a fini d'écrire sa des sahabi, là, Samoura avec Umran, je finis écrit un sahabi qui est dans Madina, qui s'appelle Ubay bin Ka'b. Et tu n'as plus connaissance. Alors, maintenant, je finis référer à Ali,
vous êtes seul, vous êtes dispute. Parce qu'il dit, c'est la prise connaissance. Alors, ben là, fin écrire, je fin envoyer une lettre, je fin poser des questions, mais là, Samoura fin dit, elle est là, Ubay bin Kaab fin dire, Samoura a raison. Qui fait de me mentionner ça? De me montrer où qui ben Sahaba, pas juste ce qu'il prophète il prononce, ou bien ce qu'il prophète il fait comme action qui se peut suivre. Même ce silence, ben là, veiller. Ben là, veille jusqu'à même ce silence. Je parle de ça aussi. C'est qu'à qui point sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam il préservé. Et ça, nous sommes capables de déduire ça d'une autre façon. Allah Ta'ala Jalifin révèle sa Coran là, wa inna lahu lahafidhun. Certainement, nous pouvons préserver sa Coran là, l'aide d'une garantie. La Coran, ben les autres livres, ben les autres livres du passé, Allah Ta'ala pas fini de sa garantie là. Ben les livres, la fin d'histoire, et la fin perdu complètement, ajouté, retiré, Torah, Injil, Zabur, tout cela, fin modifié, ou bien il a disparu. Mais le Coran, Allah Ta'ala dit, wa inna lahu lahafidhun, certainement nous vous préserve ce Coran là. À ce Coran, il y a une explication. Dans le Coran, même Allah Ta'ala dit, wa anzalna ilayka dhikr li tubayyana linnas ma nuzila ilayhim. Nous fin révèle l'auteur à dhikr, le rappel. Mais déjà, le Coran, c'est le rappel. Nous fin révèle l'auteur au Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le rappel, l'itoubayyina linnas, pour te expliquer, dimon, ma nuzila ilayhim, ce qui finit révélé aux autres. Mais déjà, nous, Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, il explique nous le Coran. Si le Coran fin préservé, cette explication aussi fin préservé. Une déduction de sa verset, là, parce qu'Allah, il dit à nous, qui c'est nous, Rasoul, qui explique. Pardon. Qui explique nous le Coran. Donc, sunna du prophète est préservée. Nous trouvons un hadith quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ma min shay'in yaqrubu ila al-janna illa amartukum bihi. Il y a un qui rapproche avec janna excepté qu'il nous fait une ordonnance pour faire lui. Wa ma min shay'in yub'idukum 'an an-nar illa nahaytukum 'anhu ou comme a dit alayhi salatu wa salam. Il y a un qui éloigne avec qui rapproche avec l'enfer, excepté qui me fait interdire pour faire ça qui rapproche avec l'enfer là. Vous dire tout. Pena nonier, ma minchay. Pena nonier qui rapproche avec Jannat, excepté qui me le donne Jésus. Pena nonier qui éloigne avec l'enfer, excepté qui me interdit Jésus. Vous dire d'ordine tout qui le prophète en fait bayan clair. La cause le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il fait Hajjatul Wada, il finit par ce message, par sa Khutbatul Wada, qui est très connu, des farewell address qu'on nous connaît, man Khutbala, à petit, mettre le mirail, man poster, je traduis à lui, je garde lui, peut-être une liali. Dernière parole là-dedans, il dit, avec man qui présent, est-ce qu'ils ont témoigné qu'ils m'ont passé le message d'Allah? Man là, dit oui. Nous avons témoigné qu'ils te transmettent le message. L'Ali, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit Allahumma shahad. Oh Allah, témoigne. Témoigner qu'il va venir transmettre le message. Mais déjà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il explique, nous tout ce qu'il y a dans sa dîne là, nous pouvons pas ajouter, nous pouvons pas retirer. Donc, quand nous comprenons qu'il nous reçoit sallallahu alayhi wa sallam, il explique nous le Coran, lui qui gagne révélation, lui qui montre nous comment pour pratiquer dîne, c'est lui ce parole et parole Allah, parole Allah, et ce parole qui tout le temps a gagné précédence. Allah, ce parole, et parole de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ils ont une précédence. Allah Ta'ala qui dit le Coran, Ya ayyuhal ladhina amanu, la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasouli. Au bal qui est naïman, n'a pas d'évance à l'aïe sur Rasoul. N'a pas d'évance à l'aïe sur Rasoul. Veut dire, quand Allah est arrêté, quand ce Rasoul est arrêté, arrête la même. N'a pas le pli divan. Dans même surah, surah Hujurat, il y a le verset qui vient après, Ya ayyuhal ladhina amanu, لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. Oh man, qu'un imam n'a pas élevé la voix au-dessus de la voix du prophète. Quand nous parlons de tafsir, nous vous trouvez qui savait cela, tu révélais dans circonstances que Abu Bakr avec Omar fait une dispute. C'est la même délégation qui de temps en temps vient guetter le prophète. Avant de t'aller, le prophète est content à point un amir. Surtout une tribu qui vient qui n'embrasse l'islam. Avant de aller, le prophète dit, mais toi, est-elle fait amir de sa tribu-là? L'état de délégation est venu, Abu Bakr, il peut dire, Ya Rasulallah, mette un tel amir de sa tribu-là. Omar finit, non, Ya Rasulallah, mette un tel amir.
Abu Bakr radiallahu anhu en colère, il dit oh Omar, toi tu l'as juste me contredire moi toi. Je gagne Abu Bakr en colère avec Omar radiallahu anhu. Dis-moi, ben Sahaba oui, je dis Sahaba, je bats comme nous, je demande dis-moi prêt avec Allah, mais il y a dis-moi qui ne m'assure le salat est là, mais je t'en compte, dis-moi je pas venir bon Dieu. Et là ben moment que je gagne ben dispute. Et la cause même qui Coran finit révélé dans cette ban affaire de tous les jours quand arrivé jeune faute Allah Ta'ala corrige Allah Ta'ala explique ça et nous ça vient une leçon pour nous. Alors Allah Ta'ala révèle sa sourate Hujurat parmi la dernière sa verset là au ban qui naïman n'a pas élevé cette la voix au-dessus de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et premier verset là que nous finir lire pas d'évance à l'aise Rasoul. Vous trouvez qu'il y a Abu Bakr fin pressé. Laisse-moi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire sa décision. Ben Jimoulin vini, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, l'est guidé par inspiration. Laisse-moi le prophète dire pas d'évance à l'aise au Rasoul. Laisse-moi pas presser. Est-il arrivé quand un pressé dispute une levée entre eux avant qu'il nous, ça veut dire leçon qu'il nous tirait. L'ouen issue. Avant nous qu'on hukum, veut dire ruling de sa issue là. Avant nous prononcer l'eau là. Il veut dire qu'on est qu'à l'aise au Rasoul fin dire. De là nous trouve, il y a beaucoup de monde qui est sincère. Beaucoup d'activistes ont envie de faire quelque chose pour l'islam. Mais seulement, je décide pour eux. Je décide pour eux de faire quelque chose qui parfois, je peux penser l'islamique, l'intention est bon. Et je peux penser pour ça quelque chose, je peux aider l'islam, je peux aider les musulmans. Mais en vérité, je peux faire pour eux l'esprit. Je peux aider l'islam pour eux l'esprit et parfois lui faire du tout. Donc là, pour ça, tout le temps, un musulman ne peut pas presser. Connaît qui hukum, qui véridique. La cause, un musulman ne peut qu'on fait un fait qui va ça. Au moins, nous connaissons tout, finir à prendre oiseau. Ça, c'est fait. Mais fait qui passe ça. Fait que c'est tout ça qui englobe action de bandimoun. Donc, ici, Allah peut dire, oh, ban kenaïman n'a pas élevé la voix au-dessus de la voix de Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Attention. Allah Ta'ala dit, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawl, parce que faux avec lui, tension, ka jahri ba'dikum li ba'd, pareil que cette cause faux entre eux, entre nos collègues, nos camarades, nos petits badinés, nos causes, camarades, nous sentons libres pour nos causes qui nous envient avec nos camarades, badinés, nos causes faux, ainsi de suite, mais avec prophète, pas fait ça, Allah dit, pas cause faux avec prophète, comme a dit, je peux causer entre eux, je peux lever la voix entre eux. Là qu'Allah Ta'ala dit, an tahbata a'malukum, attention qu'ils ont action en vain, wa antum la tash'urun, et je ne pas péconné. À ce get Ibn al-Qayyim, sur déduction. Il dit une jolie parole. Il dit comme ça, si la voix ou élève ou la voix au-dessus de la voix du prophète, ça est capable de faire ou action, an tahbata a'malukum, est capable d'annuler tout ban action. Il dit, il y a une petite chose grave, ça, cause faux avec les prophètes. Ou élève ou la voix de sa présence, manque du respect. Il dit, si ou la voix ou levée, il est capable de faire ou action en vain. Fa kaifa taqdim ara'ihim wa uquli. Mais qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que dire? What about? Si nous faisons l'opinion, nous l'esprit, nous goûts, nous bonnes décisions à la rencontre de ce que Rasoul fin apporté. Si nous la voix nous pas gain droit élevé au-dessus de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ben nous l'opinion, nos décisions qui nous prend, nous bantes, nous fait vivre en contradiction de ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin amené. Est-ce que ça n'est pas plus grave? Alaysa hadha awla an yakuna muhbitan li a'malihim? Est-ce que ça n'est pas pour faire une action le plus en vain le moment qui au lieu de nous prend parole prophète, nous prendre l'esprit nous mettre dans sa place là. Quand Rasoul fin dit une chose, nous prenons l'esprit, nous amène là. Hein, si nous réfléchissons bien, frères, sur l'islam, aujourd'hui, nous pouvons pratiquer un dîne distote. Un dîne qui, dit mon, sous parole, peut passer avant Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, sous parole. Alors, guide ce principe-là, nous disons tous les temps, suivre ce que Rasoul fait faire, sans ajouter. Nous illustrons, prenons l'exemple. Hadith à Tirmidhi. Ça, c'est après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un dîne, il fait éternuer à côté de Ibn Omar radiallahu anhu. Ibn Omar, c'est un sahabi, Gazoum Nazat Omar, il y a un djimoun qui est bien sévère dans suivre Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ce pas. Tout ça fait, il est content de suivre. Comment les prophètes font? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on va dire? Par exemple,
Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce voyage, il t'a arrêté une place pour lui aller uriner, lui aussi il peut faire ça. Pourtant, c'est pas une, c'est une action djibili, c'est une action naturelle que le prophète il fait. Il peut être sunna ça. Mais tellement sur l'amour, tu es comme ça pour le sallallahu alayhi wa sallam, si dans le voyage, il connaît le prophète, tu arrêtes sa place, ça, il fait ça. Ça aussi, il fait. Et ça, c'était lui qui peut faire ça. Les personnes qui sont qui te demandent ça, là, tu peux faire. Lui, sur akliya, sur mindset, sur l'amour qu'il tient pour le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire, il fait ça. Un jour, il est arrivé qu'un djimon fin éternué à côté de lui. Djimon fin dit Alhamdulillah, wa salamu ala Rasulillah. Il est allé ça. Ibn Omar courit sa djimon là et guette ce sagesse. Il dit comme ça, Hadith à Tirmidhi. Ana akulu Alhamdulillah. Moi, ici, moi, j'ai Alhamdulillah. Wa salamu ala Rasulillah. Moi, ici, moi, j'ai salamu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa laysa hakadha allamana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pas comme ça qui prophète il a enseigné nous quand on était ennuyé. Allamana an naqul Alhamdulillah ala kulli hal. Le prophète il a enseigné nous quand on était ennuyé, nous dit Alhamdulillah ala kulli hal. Il y en a un hadith qui mentionne Alhamdulillah, et il y a même hadith qui mentionne Alhamdulillah et Rabbil Alamin, ça vient sur là aussi. Là. Mais ici, qui est ce que nous peut tirer? L'idéal, mais tu peux dire une bonne parole, toi. Tu ne peux pas me faire pécher. Tu peux dire, tu ne peux pas me faire pécher. Tu peux dire une mauvaise parole, toi. Parce que moi, ici, je dis sa parole-là. Alhamdulillah, me dire. Moi, ici, je veux salam le prophète. Mais ce n'est pas ça qui le prophète il enseigne nous. Le prophète il enseigne nous quand nous étions nuits, il dit Alhamdulillah ala kulli hal. Mais la meilleure guidance que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il suffit qu'il le prophète indien nous ça nous arrête là même. Depuis n'a pas ajouté, depuis n'a pas retiré. Get ça, rakliya sa mindset ben ça. La cause ça le moment qui musulman adopte sa mindset là. Pas pour un débat, pas pour une divergence, pas pour un problème, pas pour une confusion. Arrête avec ce que le Rasoul fin dire. Enseigne du monde ce qu'il y a dans le Coran. Combien de versets il y a dans le Coran pour enseigner du monde? Il y a plus que 6000 versets. Nous finissons enseigner du monde tout verset. Mais qui fait nous besoin de prendre un débat? Mais le prophète il apparaît de différents endroits s'il écoute. Quand il y a des hadiths, quand il y a des... Passez-vous l'esprit dans le din, alors à cause d'un hadith, de Qabar, tout le monde peut être questionné, ça, le monde là. Nous commençons à dire akliyat, servir de manière raisonnement, nous faire de manière déduction. Non, dans le din, nous pas faire déduction pour nous. Nous juste suivre ce qu'Allah finit dire et son Rasoul finit dire. Le moment qui nous a ajouté une bout, là, nous commençons la guerre, nous avons une dispute. Non, faire ce qu'il dit faire, et ce qu'il ne fait pas besoin de faire, c'est tout. C'est ce qui me dit maintenant. Suivre et pas inventer, c'est même tout. Et il y a un verset pour montrer nous ces vérités concernant cette chose-là. Allah Ta'ala dit dans le Coran, « Fala wa rabbik, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima. » Nous traduisons littéralement, après nous guettons ça l'emphase qu'Allah Ta'ala mette. Fala, mais non. Wa rabbuk, pas tu rab, wa rabbik plutôt. C'est un serment avec un kasra. Wa rabbik, pas tu rab, la yu'minun, ben là, papa, il a iman. Hatta ziska. Yuhakimuka, ben là, prends-toi, ô Muhammad, comme un arbitre, fima shajara bainahum. Prends-toi, ô Muhammad, comme un arbitre dans une bonne dispute. Thumma, ensuite. La yajidu fi anfusihim haraja. Après qu'il te donne verdict, je ne trouve pas de l'âme haraj. Veut dire, reluctance, comme on disait dans l'anglais, m'a dit, papi, on vient accepter ce qu'il m'a fait India. India, ouais, mais il y a haraj, l'équilibre, papi, accepté. Veut dire, oui, avec la bouche, papi, accepté avec l'équilibre. Même ma kodwaïd. Veut dire, comment dire, ça dit, mon papi, senti-le confortable avec verdict qui rassoule, fin donné. Je ne pas pour une aïman, ziska qui te donne, ziska qui te prend toi comme un arbitre de cette dispute. Ensuite, je ne trouve aucune difficulté, aucune reluctance, unwillingness pour accepter tes décisions. Wa yusallimu taslima, ensuite, je te soumets une soumission totale. Imam al-Shawkani, il examine sa verset là, bout en bout. Ce même parole qu'il dit, c'est là, il est long, mais nous essayons de montrer comment il a l'emphase de sa verset là. Allah Ta'ala, il commence, il dit ça, c'est un avertissement. Ça, il dit Fi hadha al-wa'du al-shadid. Il y a un avertissement sévère de la part d'Allah qui fait la peau, qui a la chair de poule, comme on nous dit. Taqsha'iru lahul juloud. Et le qui a tremblé quand il a sa verset là. Parce qu'il y a une menace depuis Allah, ça. Allah lui dit, mais non, il commence par une négation. Ensuite, Allah peut faire serment, « Wa rabbik pa tu rab.
Allah Ta'ala li cause vrai, il n'y a pas besoin de faire serment. Il pas Allah Ta'ala, du monde qui li cause vrai, mais Allah li a cause vrai et il peut faire serment. Il peut mettre l'emphase. Wa rabbik pas ton rab. La yu'minoun, balna peina iman, Allah peut deny, peina iman. Pas peina iman, après Allah donne un ghaïa, un limite. Quand peina iman? Hatta ziska. Pas peina iman, ziska. Ziska quand? Balna prend toi comme un arbitre dans une dispute. Veut dire? Prends Rasoul, sa parole, mettre là-haut. Ça, c'est de ce lavis, dans sa verse-là, durant ce vivant. Mais là, après cela, mot, dans nos disputes, dans nos man controverses qui nous énervent, comment nous pouvons seuls ça? Nous prenons Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, sa parole, nous mettre là. Allah, je ne veux pas pour une iman. Peine de bédina, iman, jusqu'à ce que je prends Rasoul, je te mette lui comme un orbite dans une dispute. Ensuite, quand il gagne, véridique de Rasoul, quand il gagne sa véridique-là, de nous l'équerre, nous pas trop, comment dire, aucune difficulté pour accepter lui. On va dire à contre-cœur, ne pas accepter à contre-cœur, « wa yusallimu » et je te soumets, Allah ajout sa mot « taslima ». Tu comprends ?« Yusallimu » et je te soumets. Non, « yusallimu taslima », ça appelle ça, « mafroul mutlaq » veut dire, tu mets l'emphase. Le verbe, il est répété dans une forme, une forme nominale. Un verbe, après, il met même mot dans sa forme nominale. « Yusallimu taslima ». Sa quantité, l'emphase, là, Allah Ta'ala, il peut mettre. Le fait qu'il y ait un croyant, les bizins prend Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, un croyant bizin prend lui comme arbitre de cette dispute. Et qu'Allah Ta'ala dit encore, pour illustrer même verset, Allah Ta'ala qui dit « وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنَتِينَ لِي pas de nature un croyant et une croyante إِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا » Quand Allah et son Rasoul donne un verdict, une décidée, une quitteuse, أن يكون لهم الخيارة من أمرهم كي بان كوايان أوكو إن على الشوا اللين جسا رسول إن جسا فيني بينا أوكين بارول كي سافان كي ليتي كي إمام كي ليتي با بو كاباف باس ديفان بارول رسول صلى الله عليه وسلم نو إلستري سا با بان صحابة نو جيتي كما بان صحابة تي كومبون سا ابن عمر رضي الله عنه جي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول فين جي quand nous disons qu'il a Rasoul Allah, Rasoul fin dire, pas n'importe qui parole ça. D'ailleurs, dans sa surah Hujurat, Imam Al-Qurtubi, par exemple, dans le Coran, Allah Ta'ala, j'ai compris le Coran, écoutez, ensuite tout, reste tranquille, pas causé, écoute le Coran. Al-Allakum Turhamoun, compris le Coran. Imam Al-Qurtubi, il dit pareil, quand il mentionne la parole de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il y a un adab, il n'y a pas tous les deux, il y a écouter. Ça, adab qui faisait envers Rasoul alayhi wa sallam et en plus de ça concernant le content l'autre qui Rasoul fin donné Ibn Omar il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء من الخروج الى المساجد بالليل n'a pas empêché ban madame al masjid le soir spécifié le soir qui faisait parce que dans l'époque les prophètes ban madame je suis pas al masjid dans la maf fajr avec Aisha parce qu'il y a l'obscurité. Dis-moi, pas de pétrouzeut. Mais là, tu comprends ces affaires qui, une madame n'est pas besoin de display. La cause, c'est qu'il fait mention de hadith, je te parle finalement, surtout, pas me dire que je te parle Zohar, mais d'habitude, je te parle le soir. La cause, Aïcha, il dit comme ça, madame, dans l'époque du prophète, je te parle finalement, Fajr, je te parle retourner, là, il y aura rafna min el ghalas. Je ne peux pas être reconnu à la cause noire, tu peux faire noir. Je veux dire, tu comprends ça qui te ça, qui n'ont pas besoin d'exposer. Ça, c'est le du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça. Ici, toujours, le prophète dit pas en paix, ban madame, al masjid, billay, le soir. Parce qu'il n'y a personne pas pour trop de pas aucun problème, je ne peux pas aller le soir. Ibn Omar finit ça. Un de mes garçons d'Ibn Omar, c'est ce garçon s'appelle Abdullah. C'est un garçon s'appelle Abdullah. Abdullah, il dit La nada'hunna yakhrujna fayattakhidahu fayattakhidannahu daghla. Ne pas pour les nous ne pas pour les chenilles madame sortir parce que ça pour venir une façade les hommes faire façade Ibn Omar son papa peut dire veut dire le sahabi Ibn Omar lui peut dire qu'il prophète fait déjà pas empêcher ce garçon lui aussi il peut cause pas ta quoi les chenilles ta quoi il dit non ne pas pour les chenilles madame sortir les soirs parce que ça pour mettre une façade ça là Ibn Omar finit en colère Zabarahu Ibn Omar il finit réprimande lui il dit allez comme ça aqulu qala rasulullah wa taqulu la nada'hun Mon Dieu, toi, Rasoul, fin Dieu n'a pas empêché, toi, Dieu n'a pas empêché. Il n'a pas lire. Hadith dans Sahih Muslim. Il dit, moi, mon Dieu, toi, prophète, il n'a pas empêché, toi, Dieu n'a pas empêché. Tu as plus connu qui prophète, toi. Comme ça, il y a un incident encore dans ma affaire, dans ma narration.
côte-là, ben ça va, tu gagnes la guerre avec j'ai trop d'enfants, j'ai trop de familles. Quand je peux dire une quitteuse, il y a ça garçon là. Quand il peut dire, non, on n'est pas pour laisser madame sortir, sinon je peux faire fitna. Il peut dire, ça n'a pas passion, non. C'est ta quoi qui peut faire dire ça là. Mais seulement, Ibn Omar peut montrer lui qui non, t'es bizarre, pour en fait, il n'a plus ta quoi que toi. L'île, il n'a plus ta quoi, mais il peut dire, madame, pas empêcher de sortir. Et là, il y a beaucoup de hadith. Ça va être trois sahabis là, je veux dire, nous pouvons faire plus qu'il prophète. Le prophète dit non, on a archa comme l'illa. Moi, on a plus ta quoi qu'Allah. Mais c'est moi ici, je fais un amas, je dormis. Je suis avec madame, elle me garde rosa, elle n'a pas garde rosa. Je veux dire, pas plus que ça. Je veux dire, ce que l'on souligne faire, n'a pas plus loin que ça. Dernier, peut-être des points en dernier. Bien trois points, dernier trois points. Allah Ta'ala qui dit dans le Coran, « Wa man yushaqiq al-rasoul » مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. C'est lui qui lui contredit le Rasoul quand la guidance est bien claire à lui. Quand il n'est pas encore connu, pas fait non. Un masla, il y a un imam dans le passé. Il y a un imam, il y a un savant. Si moi, je verrais, c'est l'imam Malik. Il n'est pas considéré quand nous faisons oiseau, nous prenons la main, nous passons devant les doigts, dans les pieds. Quand il finit un hadith du prophète, là il finit non, mais c'est un sunna. Il n'est pas supposé considérer comme une qui font partie de sunna. Mais quand il finit un hadith là, tout de suite il finit sans seule opinion. Comme ça, combien d'abans, savants qui finit d'une autre opinion, quand je gagne un hadith qui contredit, je finis sans autre opinion. Pareil ici, Allah Ta'ala peut dire, وَمَنْ يُشَاقِقَ الرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. C'est lui qui contredit le prophète, après qui la guidance finit une clé à Ali. C'est-à-dire, prévient venir le Coran. Révit venir depuis des hadiths. Voyez, t'abi, rêve, sabir, le mukminin. Ça dit, moun là, il peut contredire le prophète, même qu'il n'y a la guidance, il vient clair à lui, et il peut suivre un chemin autre qu'un chemin de ban croyant. Je veux dire, ban croyant, je veux suivre le Rasoul. Il peut prendre un chemin de ban croyant. Nous, wallihi, ma tawalla. Nous, pour laisser faire ce choix. Allah, pas dans sa dunya là, il a free will, nous. Soit nous obéir, soit nous désobéir. Allah dit, nous wallihi ma tawalla. Nous pour laisser dans cette décision qu'il y fin prend, wa nuslihi jahannam. Nous laisser prendre qu'il y fin prend, wa nuslihi jahannam. Nous vous jetons en enfer. Wa sa'at masira, ça c'est un mauvais chemin ça. Un mauvais demeure ça. Là, nous peut trouver qui ça veut essayer là et montrer nous qu'il n'y a pas besoin de contredire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous illustrer ça par un événement qui vient d'arriver dans l'époque de Imam Malik. Imam Malik, un grand savant dans Madina. Sur l'époque, tu es très près avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un djimoun, qui est bien mon frère, ça va être l'exemple très, 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 très important pour nous comprendre. Comment ça va être savant là, tu comprends, ça va être verset là. Un djimoun, il vient contre Imam Malik, il dit, oh Abba Abdullah, Abba Abdullah, c'est Imam Malik, il dit, oh Abu Abdullah, min aina uhrim, quand on peut faire Umra ou bien on peut faire Hajj, depuis quand ça va mettre Ihram, c'est juste dans Madina là. Imam Malik bin Jali, min dhil hulayfa, min haythu ahrama Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète reste dans Madina, lui. Quand il est sorti Madina pour y aller faire Umra, ou quand il est faire Hajj, il passe par une place, un miqat qui appelle dhil hulayfa. Peut-être qu'il est faire Umra, je connais. Là-bas, le prophète fait Ihram. Ça dit, mon ami, il vient déjà avec Imam Malik, inni uridu an uhrima min al masjid, moi envie de mettre Ihram depuis le prophète sur masjid. Déjà avant, parce qu'il dhil hulayfa, il y a assez loin, au moins 25 km, bon, hein, à une dizaine de kilomètres peut-être, ou bien plus, depuis Madina. Il dit, non, moi, j'ai envie de mettre Ihram dans ma masjid même, ma masjid prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais là, Imam Malik, j'ai dit comme ça, là, t'as fait, pas faire ça. J'ai dit, pas faire ça. Ça, j'ai dit, là, il dit, inni uridu an uhrima min al masjid inda al qabr, j'ai envie de mettre Ihram contre Qabad prophète dans ma masjid là-bas. Mais là, Imam Malik, j'ai dit, là, t'as fait, pas faire ça. Fa inni akhsha alayka al fitna. Pas faire ça, mon pied est en chaud, tu es frappé pour une fitna, un source, un quelque chose qui vous détourne toi depuis la guidance. Ça dit, mon nom, il dit, hey, you fitna tin havi, qui fitna y'en a là-dedans? Innama hiya amyalun aziduha, c'est quelques kilomètres qui m'opèrent rendre dans l'Ihram avant, au lieu de voyager, moi, le côté miqat, depuis avant même, 4, 5, 10 kilomètres, demain, combien de kilomètres il y en a? C'est pas 10 kilomètres, pour pas connaître. Depuis ça, quelques kilomètres en plus, moi, pour finir, mettre haram, puis aucun fitna là-dedans. Là, Imam Malik Finjali, un gars de sa verset là, la reine mentionnée là-bas, dans la verset qu'il nous mentionnait là, c'est lui qui contredit le prophète ce principe, hein, nous pour les six chemins qu'il y fait, dans le chemin qu'il y fait, prend. L'imam Malik Finjali, comme ça, ayu fitnatin a'zamu min antara annaka sabakta ila fadilatin قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit, qui est plus grand fitna
qui te fait penser, toi, te fait faire une quitteuse qui meille qui rassoule fin faire. Rassoule l'idine comment il met sur les haram dans Zul Hulaifa. Toi, te fait croire, te fait meille ça qui rassoule fin faire. Rassoule il met sur les haram dans Zul Hulaifa. Toi, te fait mettre quoi de ce kabar dans la masjid Nabawi là-bas. Te fait penser, te fait meille qui rassoule sallallahu alayhi wa sallam fin faire. Te fait plus connaître qui prophète toi. Les lali djali comme ça. Imam Malik djali, mofintan Allah djia de Quran. Inni sami'atu Allah yakoul, mofintan Allah djia. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Faire attention. Qui contredit l'ordre du Rasoul, faire attention, qui a une fitna tout zut, ou bien une punition douloureuse tout zut. Voilà fitna qui Imam Malik me dit. J'ai dit, paye attention, fitna tout toi. Te adopter une façon de faire qui te commence à inventer te pour aller même et ça même qui n'est arrivé aujourd'hui get ban jibun kallo ban qabar zot fi ban dit ce shirkiyat prophète sallallahu alayhi wa sallam dit n'a pas arrangé non ni le qabar n'a pas mais combien hadith et n'a pas dizaines de hadith de Bukhari de Muslim un qabar li bizap pas dépasse un coudé. Hadith mentionné pas mais dans l'époque là bah tu m'as dit tu m'as pas fait l'arceau en l'arceau le ban kabar les prophètes n'ont pas arrangé non ni en l'arceau le kabar laisse les plates pas plus qu'un coudé combien hadith il y a comme ça mais nous trouvons musulmans là ils continuent à faire ça à ce n'est pas fini les temps musulmans là continuent à arranger ban affaire le kabar les temps du monde venir faire sijda y embrasser ban qui déjà gagne droit arrange sa ban construction là tu dis non mais nous pas dire du monde là faire ça mais pareil comment tu pas dire du monde là faire ça. Mais prophète, tu n'as pas arrangé non ni là. Quand tu arranges une quitteuse, l'eau sa kabar là, prophète, tu connais qui ça pour venir un moyen pour faire ça du monde là, tombe dans fitna, pour détourner ça du monde là. Qui fait que tu arrêtes toi avec parole rasoul, pas arrange non ni le kabar, il pas suffit. Ne pas tu prends ça dans Ajmer, c'est pas que du monde fait tout carte chez qui y a, les temps où dire ça là, maintenant vous dites non, mais nous ne pas dire du monde faire ça. Zamani non, c'est du monde à faire si d'accord kabar. Oui, tu pas dire du monde à faire si d'accord kabar. Mais tu as besoin de dire qu'il n'y a aussi pas de loi avant de le kabar là qui fait prendre parti, tu résides une partie. Mais l'État nous pratique une guine comme ça. L'État nous dit une fossé. Et l'État au cause ça, maintenant, on peut faire division. L'État au cause la réalité, au cause la vérité, ou dire du monde pas exagéré dans le dîme. Allah, c'est pour dire non, à qui il y a quelque chose qui n'a pas besoin de causer. Ça qui est triste là-dedans. Du monde qui n'est pas d'apprendre, lui peut trouver défaut avec celui qui peut dire la vérité, comment il y était. Ça qui est sagrinant là-dedans. Tiens, pour terminer, Un dernier événement qui finit d'arriver, quand Imam Malik, Bishr bin Amr, il dit comme ça, pour fin tan, Samirtu Malik bin Anas, Imam Malik, sa grand savant de Medina là, Kathiran idha haddath anni nabi sallallahu alayhi wa sallam, fayuqalu lahu wa ma taqul anta wa awra'yuka. Il dit comme ça, qui, Imam Malik, c'est un saint, livre qui plie ancien, qui vient vers nous du hadith. C'est Muwatta d'Imam Malik. Muwatta d'Imam Malik, avant Imam Bukhari, ce livre, avant Imam Muslim, bien, ma première époque. Ça, parmi mon premier livre de hadith qui est conservé, il vient vers nous. Je pense à un hadith dans Madina. Ça, personne, Bismin Omar, il dit comme ça, bien souvent, quand Malik, tu peux rapporter le hadith depuis le prophète, ben, dis-moi, tu peux dire, oh Imam Malik, toi qui t'as l'opinion, qui te dit à toi? Quand il finit le hadith, ben, dis-moi, oh Imam Malik, où qui a l'opinion? Imam Malik, je peux dire, je peux lire le verset, « فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » Je peux lire le verset, « Qui contredit l'ordre de Rasoul, faire attention qu'il y a une fitna tout seul ou bien une punition douloureuse. » Je veux dire qu'il libère des autres, mais il n'y a pas assez de manger une parole prophète, il n'y a pas suffit là qu'il mange une parole prophète, qui te verra avec mon opinion encore. Si je n'ai pas parole pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui te peut redire encore avec mon opinion? Il n'est pas suffit de suivre sa dîna à travers la parole de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, veut dire, nous peut montrer nous, à aucun moment, c'est-à-dire, le quitteuse qu'il ne fallait pas nous faire confusion. Pas veut dire qu'il roule à ma peine aucun rôle de sa dîna, non. Il n'est pas peut dire ça là. Right? Allah ta'ala dit, atui'u Allah wa atui'u Rasoul wa uli l'amri minkum fa'intanaza'atum fi shay'in. فردوه الى الله والرسول obéis à Allah, obéis à son Rasoul et ceux qui détenaient le commandement. Il y a des tafsirs, ceux qui détenaient le commandement, ou l'âme, c'est un ulama, et il y a qui disent c'est un umara, un gouverneur. Il n'y a aucune contradiction. Un gouverneur dans l'islam, je disais un ulama, je disais un djimdikoudine. Là, Allah qui dit
فإن تنازعتم في شيء بجه نبزاو بيمن عالم نبزاو بس كنا بقى في ديكشن بلا حديث فنمم مثل ما كائنات ديسبوت فإن تنازعتم في شيء كائن ديسبوت فردوه إلى الله والرسول فغيتون في الله والرسول هاك لأن بقى سوليشن بجه كي طول الوقت parole à l'aise au rasoul, il pourrait tout le temps une précédence. Oui, on l'amène à ce rôle de sadim là, je t'y fais déduction, mais toujours quand il y a une dispute, et toujours nous gardons ça en tête qui, parce qu'aujourd'hui, nous pouvons vivre dans l'époque quand nous pouvons gagner tout cas l'altéviation. Alors, Coran et Hadith, ils viennent une source de guidance pour nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, « Taraktu fikum amrayn, vous pouvez quitter derrière moi des petites choses. » L'entadouillou ma intamassaktum bihima. Je ne pas pour égarer aussi longtemps que je t'attache avec sa déquiteuse là. Kitab Allah, le livre d'Allah, wa sunnata rasoulihi et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah ta'ala li fait nous apprendre concernant ce livre et concernant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhid da'wana anilhamdalillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.